Minasan, konnichiwa, it deijaobu. Les amis, comment ça va? Moi ça va super, j'ai été à l'Eurospace Center les amis. Faut y aller vraiment, c'est très très bien si vous aimez l'espace, ok? Dans cette vidéo, j'ai acheté des trucs de fou, ok? Et bien sûr, par rapport à l'espace. Vous savez quoi, je vous en dis pas plus. Bon visionnage. Wouh! Ça va bien ou quoi? Aujourd'hui, on a été à l'Eurospace Center les amis. Et l'Eurospace Center, c'est ça. On va faire un petit peu un unboxing et en même temps une vidéo dégustation. Comme vous avez pu le voir certainement sur la miniature les amis, on a ramené quelque chose d'extrêmement lourd. De plus les amis, aujourd'hui j'ai sorti un petit peu... Check ça mon pick-up. Regarde mon pick-up. Check à moi ça, la rafale. Les amis, ah, je suis trop content. Aujourd'hui là je suis équipé. Trêve de bavardage les amis, on commence avec les petits trucs voilà comme ça tout sympa qui font plaisir. C'est parti. Les amis, comment vous dire que je suis fan de l'espace, voilà, j'ai été comme un petit enfant quand j'ai été là-bas justement, et franchement, c'était le feu. On commence avec ce petit badge qui sera justement à coller ou à mettre, je sais pas, il y a une texture assez, on va dire... C'est censé être au fer à repasser, je crois, sur les vêtements. C'est un écusson. Ouais, disons que si tu le mets sur un vêtement et qu'après tu perds le vêtement, tu perds l'écusson et le vêtement avec. Donc du coup, il vaut mieux qu'il soit sur le mur. On lui trouvera une petite place. Très heureux, les amis. Le petit drapeau américain. Deuxième. Franchement, ça c'est... Ça les amis, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'espace, vous avez ici l'écusson d'Apollo 11, là où justement Neil Armstrong a marché sur la Lune, il a fait ses premiers pas. Petit extrait maintenant, merci. 2, 1, 0, all engines. 40 feet down, 2.5. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. That's one small step for man. Ça les amis, ça fait super plaisir. Je suis très très heureux en tout cas d'avoir ce genre d'écusson avec moi. Ben voilà, je suis très content. Aujourd'hui, ça a été ma journée enfant tellement j'étais heureux. C'est vraiment une journée passion. Mais pour le principal de la vidéo les amis, on va se régaler. Enfin moi je vais me régaler, enfin ou peut-être pas. Les amis, le moment est attendu. Le tout premier produit qui va être dégusté ensemble de la nourriture d'astronaute, de la nourriture lyophilisé, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas de la nourriture déshydratée. C'est parti Louise, c'est le parti. C'est quoi? Pêche. Pêche, ok. Les amis, je vous présente la bouffe des astronautes. Pêche. Pêche. Freeze, dry, ready to eat space food. Ça fait 14 grammes, c'est pas très lourd parce que vous savez, dans l'espace, c'est très important de choisir ce qu'on met parce que le moindre kilo en plus, c'est du kérosène en plus. Enfin, c'est pas vraiment du kérosène, c'est ça justement. T'arrives à déchiffrer? Prêt à manger. C'est tout. Fin du game. Bref, les amis, on va ouvrir. Faut savoir que ça nous a coûté 7,50 le paquet, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo va être rentable. Mais c'est pour vous, les amis, ok? C'est pour vous, alors abonnez-vous. C'est spécial l'odeur. Oh oui. Ça a une odeur de pêche, genre de pêche moisie. Ouais, c'est ça. On va vous montrer à quoi ça ressemble, les amis. Pourquoi pas? Mais mine de rien, il y en a quand même pas mal, hein. Regardez, c'est très léger, on dirait de la meringue. Alors, normalement, au contact de la salive, ça doit justement se structurer, en fait. Oh, c'est clac, c'est parti dans les airs, c'est un truc de ouf. C'est parti. Ça a le goût de pêche quand même. Vous le voyez certainement pas, mais il y a plein de particules de pêche dans les airs. Il y a un goût fort acide. Je sais pas. J'essaye de le laisser dans ma bouche, histoire de mettre de la salive. Mais effectivement, mets de la salive, laisse-le dans ta bouche, tu vas voir que ça va se structurer. Et bah là, ça devient mou, tu vois. Ça fait plus gâteau. Bon, les amis, c'était bien la pêche, mais il y en a beaucoup d'autres. Le prochain, c'est parti, c'est parti. Wouhou! C'est quoi? Bon, on reste dans les fruits. Le fruit, ok. Les framboises. Non, des fraises. Strawberry. Les amis, on part sur de la strawberry. Le packaging est stylé, on en a pas parlé. Ouh, ça sent bon. Ouais. Ah oui, ça sent. Vous savez ce que ça sent? Ça sent les céréales. C'est des fraises déshydratées, pardon. Ouais, dans les Kellogg's. Les fruits rouges là. Oh, c'est costaud, c'est gros. C'est gros. Waouh. Ouais. Attends, checker ça. C'est des demi-fraises en fait. On a l'air con quand on fait ça avant. Ouh.
Regarde-moi ça. Par contre, c'est ultra léger. Enfin, c'est un truc de malade, quoi. Les amis, on va déguster ça. Ça sent bon. Croquant. J'ai pas encore croqué. Je mets de la salive. Meilleur que la pêche. C'est moins fort que la pêche. Ouais, vous savez ce qu'on va faire, je viens de penser à un truc. À la fin de la vidéo, on va mettre des verres d'eau et on va mettre chaque chose qu'on a eu dans un verre d'eau et on va voir à quoi ça ressemble à la fin, tu vois. Vu que c'est déshydraté, tant qu'à faire, comme ça c'est pas seulement une vidéo dégustation. Moi personnellement, je kiffe. Pour le moment, c'est mes préférés. Objet suivant. Non, pas objet suivant, sac suivant. Let's go. Je ne dis absolument pas ce que c'est. Oh les amis, vous devez certainement connaître un gâteau. Et ça, il y en a eu beaucoup des vidéos justement comme ça où c'est de la glace en fait à l'intérieur. C'est censé être un biscuit et c'est de la glace à l'intérieur et justement c'est de la glace déshydratée. Enfin c'est genre contre-intuitif de ouf, tu vois. Oh je suis content, j'ai toujours voulu goûter ça. Je suis content. Je me pose quand même une question. Parce que quand on coupe un truc de gâteau déshydraté comme ça, ça fait plein de poussière. Est-ce que dans les navettes quand t'ouvres ça, avec la gravité justement, est-ce que ça fait pas des problèmes, etc. Il faut savoir que rien qu'un tout petit truc peut être désastreux. Oula putain c'est gros. C'est très gros. Il y a un autre emballage à l'intérieur, les amis, on part sur quelque chose de qualitatif. Carré dans l'axe. Oh, check ça. Mode ASMR. On dirait les trucs de dinette, en fait. Les amis, quand vous voyez ça, on dirait un gâteau, on dirait un gâteau normal, en fait. Par rapport aux autres, il pèse son poids, celui-là. Ouais, ça sent le synthétique. Oh, c'est trop spécial. Spécial ou bon? Bon. Waouh, c'est... On fait un goût de la glace à la fraise, dans les petits pots, tu Ouais, exactement, justement, chercher. C'est pas non plus le truc de ouf, ça se mange. Ça a le goût de petits pots. Et ben c'est exactement, mais vraiment pratiquement le même goût. Le gâteau, ouais, c'est vrai que c'est dans les dents, là. Le goût, tu l'as un peu plus après. On va dire que le gâteau, il reste... Ouais, c'est spécialement bon. Même goût de chocolat. C'est pas mauvais, c'est nostalgique, c'est pas mal. Ça rend énormément de miettes. Alors maintenant, question, est-ce que ça, c'est vraiment attribué aux astronautes ou c'est pas juste marketing? Parce que franchement, quand je vois toutes les miettes que ça rend, est-ce que vraiment ça va dans l'espace, ça? Le prochain, c'est le dinosaure. Banane. J'ai hâte parce que je me demande si c'est vraiment une banane qui est mise ou c'est des morceaux de banane. Je vais s'ouvrir, tiens, celui-là. Et t'as intérêt de bien l'ouvrir, Louise. Parce que sinon, crois-moi que tu vas prendre tarif. Quand je te dis que tu vas prendre tarif, bref, je vais pas continuer là-dessus. C'est spécial. Regardez, santé, santé. Vous ne pouvez pas sentir. Made in US, c'est marqué. Hein. Et au passage, si vous voyez, c'est marqué Made in US, voilà. Ah, les trucs que tu trouves dans les chaussures neuves. Ça se rapproche, t'as raison. Mais je sais pas où tu vas aller chercher tes chaussures neuves. Les amis, regardez à quoi ça ressemble. Regardez-moi cette chose. Déjà, moi, personnellement, les bananes que j'ai chez moi... Hein, oui, mais elle est desséchée. C'est de la grosse banane. Alors oui, ok, on va prendre l'excuse que c'est desséché. Ça a le goût de banane. Alors, ça a le goût de banane et je dirais même que ça a même le goût un peu des trucs apéritifs. Ouais. Mais, attends, au moins, bon, c'est les trucs apéritifs banane, je sais pas si vous connaissez. Disons que l'odeur me faisait peur, mais le goût, ça va. Genre, d'un coup, ça a fait une... Moi, dans ma bouche, ça a fait un gros goût de banane d'un coup qui est arrivé comme ça. De bonnes bananes mûres. Alors, je sais pas si c'est normal. Regardez dedans combien on a. Je sais pas toi, mais moi, je trouve que le moins bon, c'est les pêches. Ouais, c'est vrai. Est-ce qu'on peut avoir le suivant? C'est parti. Des pommes, visiblement. Cinnamon apple wedge. Alors, excusez-moi, mon accent français, anglais, il est incroyable, ok? Derrière, vous avez un petit écriteau, vous pouvez voir juste ici. Instant de vérité, les amis. Il y a des Legos dedans. Sympa. Ça fait pas artificiel. Bon, quand même. Ça fait un peu compote de pomme. Tu trouves pas? Quand tu sens, ça fait compote de pomme. Non. Oh, si. Bah, je sais pas c'est quoi tes compotes de pomme, mais non. Oh si. Les amis, voici à quoi ressemblent les individus à l'intérieur de ce paquet. Un gros, je prends un gros. Mais il y en a deux gros là. Bah, il est pas aussi gros que celui-là. Tu préfères les choses grosses, c'est ça? Oh shit. On voit, attends, ça, c'est marrant. Ça me fait, et c'est ça qui me fait un peu penser quand ma mamie elle fait des pommes. Pommes caramélisées. Ouais, et ben ça sent complètement ça. Cannelle. La cannelle. Ouais. Cannelle, voilà, c'est ça. Je vais manger la moitié en humidifiant et je mange l'autre moitié en croquant. Ah ouais, on dirait vraiment des pommes que vous coupez, que vous mettez sur une tarte aux pommes. Ça rappelle vraiment les tartes aux pommes maison. C'est trop étrange. Franchement, moi, c'est celle qui m'a le plus bluffé là pour moi. Je vais goûter en croquant. C'est meilleur quand tu laisses fondre. Quand on croque et qu'on mange tout de suite en même temps, il y a vraiment un goût qui est plus prononcé. Mais le goût se rapproche plus de la pomme qu'on a l'habitude de manger quand on laisse fondre. Si je devais dire pour le moment celui qui m'a le plus bluffé, c'est lui. Incroyable. Sachez suivant. Une glace à la vanille. Voilà, c'est bon. Ouais, merci. Sera-t-il dans son petit paquet? Oui, il sera dans son paquet. Tu l'ouvres? Ouais.
Ah voilà, vas-y, au pire, approprie-toi la vidéo, tiens, vas-y, fais ça. Il sent meilleur que l'autre. Ah ouais, là ça sent le biscuit, on va dire vanille, très industriel qu'on peut trouver dans des petits paquets qu'on ouvre comme ça là. Bah vas-y, croque tout. Pas mauvais du tout. Franchement, c'est pas mal. Meilleur que l'autre biscuit, qu'est-ce que t'en penses? L'autre biscuit fait un peu plus industriel. Lui, il fait plus qualitatif. C'est marrant, pourtant c'est le même biscuit au-dessus, je suppose. Le blanc fait vraiment de la meringue et d'un coup, il s'épaissit en fait dans la bouche. Franchement, c'est assez bluffant. La technologie, on n'arrête pas le progrès. C'était une vidéo dégustation et c'était la première de la chaîne. N'hésitez pas à aller à Eurospace Center en Belgique. Ah bah ouais, regarde ça. Mais oh, putain, hey, envoyez le chèque en fait, Space Center, ok? Envoyez le chèque, checkez-moi ça. Vous avez ici 30 secondes la carte, voilà, vous savez où ça se situe maintenant. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à mettre un maximum de likes et bien sûr de vous abonner à la chaîne YouTube parce que dans le doute, hop hop hop, c'est l'heure de l'expérience les amis. Ah, vous l'avez oublié celle-là. Eh bien, ne vous inquiétez pas, allez à la fin de cette vidéo pour le watch time. Bon visionnage. Ok les amis, donc là je viens de récupérer 6 verres pour 6 paquets déshydratés. Vous savez compter, c'est extrêmement bien, félicitations. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais filmer mon tel à Louise et je vais vous montrer l'intérieur de ces sachets avec la nourriture déshydratée. Il y a des glaces, il y a des fruits, il y a plein de trucs, vous allez voir, c'est un truc de ouf. Les amis, c'est parti. Ok, on va commencer. Premier sachet, là ici, on a une pomme, ok. On va mettre dans ça. Petite fraise dans celui-là. Ensuite, on va mettre un petit morceau de gâteau ici. Bon, vous savez quoi? J'ai obligé. Hop là, deuxième gâteau, cette fois-ci avec de la fraise, du chocolat et de la vanille. C'est extrêmement Covid tout ça. Ensuite, les amis, nous avons de la banane. Une... Et deux. Et pour le dernier les amis, de la pêche. Putain, il est gros celui-là, je suis deg de le gâcher pour ça. Bon, tant pis. Les amis, on se retrouve dans une heure pour savoir à quoi ressemblent tout simplement toutes ces choses-là déshydratées. Et on va les goûter, ok? Zodi, venez voir ça. Regardez. Ah, ça fait vraiment de la glace. Ah là là, sale. Et le gâteau, oh le gâteau c'est fini là. Celle-là, comme on dirait vraiment une fraise ratatinée, un peu pourrie. De valide. Ici celui-là. Celui-là c'est la pomme. Putain, c'est trop de la pomme. Quand tu croques, t'as vraiment. On continue. Là ici les amis. Ok, là c'est la glace. Ici, la banane. La banane pareil. Oh là là, la pêche. Goûte. Incroyable. Les amis, le plus concluant c'est la pêche. La pêche vraiment est redevenue de la pêche en fait. Une pêche qu'on vient de couper. Les amis, n'hésitez pas à me follow sur TikTok et bien sûr à me suivre sur mon YouTube. Pas de doute. Ouais, c'est ça. Abonne-toi. Wouhou.